Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo Minecraft sur une map, les amis, qui je pense va être assez incroyable. Cette map, vous le voyez, je viens de lancer la map, j'ai rien pu faire, on est devant un écran titre, elle s'appelle Project Zelda. Alors c'est une map que je suis depuis un bon moment, on est sur la version 3 de la map. Je vous explique en gros, ce n'est pas une map qui reprend l'univers Zelda, qui vous recrée un jeu ou quoi, comme on a pu avoir eh bien, ces dernières années que j'ai pu vous faire pas mal de trucs, qui étaient très cool, mais qui s'inspirait beaucoup des jeux. Là, non, les amis, on est dans un univers Zelda, mais c'est une toute nouvelle histoire, c'est une toute nouvelle aventure qui a été créée sur Minecraft. Voilà, c'est bon, ça reprend pas un Ocarina of Time, un Breath of the Wild ou je ne sais quoi. Et ça s'appelle Project Zelda, pourquoi? Parce que c'est un projet qui a nécessité plus de 800 heures de travail. Voilà, c'est bon, sur la map, il y a eu plus de 800 heures de travail sur cette map. Donc autant dire que c'est une map incroyablissime et qu'on est aujourd'hui que sur le premier chapitre. Et ça c'est très important pour moi de vous le préciser, on est que sur le premier chapitre les amis, ça veut dire que potentiellement un peu à la manière d'un Life is Strange, tu vois, et bien dans quelques mois on aura la suite de l'histoire, etc, etc, etc. Donc voilà, j'avais ultra envie de vous faire cette map les amis parce que c'est vraiment quelque chose qui me botte de ouf. Et vous voyez, je viens d'arriver, je ne peux pas bouger et du coup, voilà. J'arrive comme ceci, est-ce que je peux me voir? Oui, regardez, j'arrive en petit Link. Magnifique, j'arrive en petit Link, on vient de démarrer. J'ai mes 3 cœurs. Ben voilà, c'est vraiment une toute nouvelle histoire qui a été recréée. Vraiment, je sens qu'on va surkiffer. J'espère que vous allez kiffer les amis. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le gros pouce bleu des familles. Les fans de Minecraft, les fans de Zelda. Bon, voilà, je pense qu'à nous trois, vraiment là, je pense qu'on va kiffer. Alors, information. Voyons voir. Alors, les importantes settings. 16 pour du rec, c'est bon, le brightness, le gis scale auto, full screen, particles on, bon tout ça normalement est activé, do not change game mode, single player, très bien, optional shader, il propose des shaders si on veut, depth and fill, immersive, light, très bien, très bien, très bien. Allez, on est parti, les amis, on est parti pour lancer cette map, je vérifie que, eh bien, en termes de musique, voilà, je vais monter un petit peu ma musique, on sait jamais. Et on est parti. Let's go. Choose a name. Non mais regardez, c'est incroyable. Alors attendez. Agis sur chat settings if I need. C'est beaucoup trop bien. Regardez, on peut choisir son nom. On va s'appeler bien évidemment Link. Et alors attention. Je sens que ça va être fou. Je sens que cette map va être folle, les amis. Attention. On est en train d'arriver, on est en train d'arriver. Il est en train de tout charger. Non mais regardez. Il a créé un logo. A Nope Name Production. Vraiment, quand je vous dis qu'il a recréé un jeu, c'est une des légendes que les gens se racontent. Il a créé une intro. Il y a longtemps, il existait un royaume avec un Golden Powerly Hidden. Bon, mon anglais, hein. First Prosperous Land. Bon, c'était un royaume florissant avec des forêts, des montagnes et la paix. Mais un jour, un vilain a trouvé la Golden Power, donc la... Le pouvoir d'or. Et avec ce pouvoir, il a plongé le royaume dans le chaos. Mais maintenant, tout espoir est anéanti. Mais un jeune garçon habillé en vert apparut. C'est vrai que je connais un peu l'univers Zelda. C'est incroyable ce qu'il a fait. Leading the blade of Evil Bane, he sells the dark. En gros, il nous raconte un peu les récits de comment ça s'est passé. Un peu à la Wind Waker, il nous raconte un petit peu les récits. C'est pas une map qui reprend Wind Waker. Ce garçon a traversé le temps. The boy's tale will pass de toute génération. Donc voilà, c'est passé de génération jusqu'à devenir une légende, bien évidemment. Toute cette histoire de Link qui a vaincu Ganon. Mais maintenant... Mon dieu, les amis, je sens qu'on va surkiffer. Alors, je sais pas s'il y a pas un bug de chunk, ne vous inquiétez pas. Ah voilà, si, ça apparaît. On est en train de nous dire qu'il est de retour. Once again, free from the depths of the earth, he got to resume his dark designs. Bref, donc en gros, voilà, il est de retour. L'intro ressemble un peu à celle de Wind Waker, mais vraiment, c'est une toute nouvelle histoire, apparemment. The Hero of Time. Eh oui, le héros du temps. Mais il n'est jamais revenu. But the hero did not appear. Très bien. On nous raconte vraiment, c'est l'intro de Wind Waker.
et on arrive sur cette petite île. Ok, on y est. Link? Je me réveille. On a de la vie, on a tout ce qu'il faut. Réveille-toi! Je me réveille, je me réveille. Je veux bien me réveiller, mais je suis dans le sol. You have to find a way back home, Link. Ok, tu dois trouver un chemin pour rentrer chez toi, Link. Alors, déjà, je voudrais voir juste un truc. Effectivement, peut-être que ça, c'était expliqué tout à l'heure. Giscale. Non. Bah, plutôt, on va le laisser comme ça dans ce cas. Épisode 1, The Cave. Bon, bah écoutez, on voit où est notre vie et où sont nos rubis. The Cave. Et oui, voilà, c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hiéroglyphe. Ok, on a trouvé des hiéroglyphes. Bon, bref, il va falloir qu'on regarde un petit peu tout ça. Et je vous dis que c'est une toute nouvelle histoire. Je ne mens pas, les amis, je ne mens pas. Alors, attendez, il y a peut-être un truc par là. Ah, je peux me mettre. Ah oui, alors, oui, le gameplay change. Donc, il faut vraiment que je me mette en mode. En mode, je peux aller dans ces trucs, tu vois. Attendez, je revérifie bien que j'ai rien loupé ici. Mais je peux vraiment me mettre par là, comme ça. Rentrer tranquillement, regardez-moi ça. Il n'y a pas de mode, hein. Je tiens à le préciser, il n'y a aucun mode. Ça, je peux pas l'ouvrir. Qu'est-ce que vous pensez? Pour l'instant, ça m'apprend un peu les mécaniques, peut-être. Ah! Ok, alors attends. Non, là, je dirais que c'est comme ça. C'est bon. Ça s'ouvre. C'est beaucoup trop bien, les amis. Avec les petites musiques et tout. Alors, bonjour, donc les petites énigmes. Là, on va pouvoir passer et on va pouvoir sortir d'ici normalement. Lone Island. Donc voilà, donc je vous dis, c'est une toute nouvelle histoire. Avec la musique! Il a recréé en autre bloc la musique. C'est beaucoup trop bien. C'est génial, c'est incroyable. Je trouve cette map incroyable, ça y est. Vraiment, le fait qu'on soit dans une toute nouvelle histoire, je trouve ça trop bien. Ah, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. On va se balader. On va réussir, regarde, on arrive à une ville. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, les gars. J'aime beaucoup trop. Hop! Alors, on arrive à la ville. Est-ce que je peux grimper quelque part? Je suis peut-être pas par le bon côté. Attends, on va essayer de trouver l'entrée de la maison. On va essayer de trouver l'entrée de cette maison tranquillement. Je ne peux pas par là. Attends, on peut monter directement. On va réussir. Je suis rentré. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, mademoiselle. Gillian. There's earthquake recently. I really hope something worse will happen soon. Ok, est-ce que tu dis autre chose? Non. Bon, alors moi et l'anglais, hein, il faudra. Vous le savez. Hein. Je pense que si on met la map en français, malheureusement, on va revérifier ensemble. Mais a priori, si nous mettons la map en français, je ne pense pas que, malheureusement, ce serait un petit peu trop beau que la map passe en français. Je ne crois pas. Ce serait incroyable, mais je n'y crois pas du tout. On va voir. Non, voyez, voyez, voyez. Non, il ne passe pas. Elle ne passe pas, elle ne passe pas. Bon, c'est pas grave. Alors. Est-ce que je peux lui casser ça? Je ne peux pas lui récupérer ce qu'il y a ici. Ok. Je pense qu'on n'est pas du tout passé par le bon endroit. A priori, donc attends. On va essayer de grimper au sommet de l'île. Hop. Tranquillement pour voir. Je sais pas du tout, est-ce que c'est notre. C'est notre petite île de départ? C'est trop. Ah, regardez, voilà. Ah, voilà, le village est là. Ok, donc attendez, on va aller voir ça. On va aller voir ça tranquillou. Oh, mais dites donc. Oh, mais dites donc, est-ce que j'aurais pas trouvé un truc que j'aurais pas dû trouver tout de suite? J'ai trouvé un truc, mais je pense que. Hop, 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 j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, on se casse. Je suis allé à un endroit beaucoup trop rapidement. Il faut clairement pas qu'on aille par là. Alors. Bonjour à tous, on off. Oh, c'est incroyable. C'est incroyablissime cette histoire. Bonjour, y a quelqu'un? Mais il y a les musiques qui changent. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Est-ce qu'on obtient un truc? Je ne sais pas. Non, mais vraiment. Quand je vous dis qu'il a recréé toute une aventure. C'est beaucoup trop bien. Bon alors, on va essayer de. Je peux pas passer par là, non. On va essayer tranquillement. Là, il y a un petit bateau et tout. Il y a des petites maisons. On va essayer de parler un petit peu aux différents habitants. Orca. Welcome, étudiant. So you want to become a true. Ah, tu veux devenir un vrai apprenti de l'épée? We prepare the final test, come back later. Ok, très bien. Donc lui, c'est lui qui nous apprendra à nous battre à l'épée, je pense. Qu'est-ce que tu as ici? Ah, c'est ton lit.
Nous ne pouvons malheureusement pas ouvrir les coffres pour le moment. Et regardez le nombre de détails qu'il y a sur cette map. J'aime trop. Franchement, c'est ultra stylé. C'est beaucoup trop bien. Je sais pas en fait qui est-ce qu'il faut que j'aille voir vu qu'on vient d'arriver. Attends, on va revenir par l'entrée. Là ici c'est Entrance at the Beach. Ok. Ici on a une petite maison. Est-ce que c'est pas notre maison? Non, je ne pense pas. Non, ici c'est c'est les tables, merde. C'est clairement pas chez nous. Hop. Bonjour. Father. Link. Ok, c'est bon, on a trouvé notre père. Ok, on est bon. Alors. Ah, Dieu merci, on va dire. Dieu il y a. Tu vas bien. Where have you been? You want to see the earthquake deals any damage? But you didn't return for quite a while. What happened? A cave had opened beneath your feet and you heard a voice in there. Ouais, voilà, donc en gros, on était bloqué dans une cave, on entendait une voix. Hein, tu es sûr? You also found something? I guess, I believed you then. En gros, voilà, on a trouvé les hiéroglyphes. Mais Sturgeon, the researcher, can read them. Ok, donc il faut qu'on trouve Sturgeon. Ok, va lui parler. Lequel also meet his brother Orca and finish short school. You only need to... Voilà. Need to pass the test. He will then give the sword I made for you. You can make it, I believe in you. Ok, il croit en moi. Très bien. Voilà, bon, désolé, je vous traduis pas tout mot pour mot, mais je comprends quand même globalement ce qui se passe. Donc visiblement, hein, le gros problème apparemment avec le... Before you leave, is a notebook. Be careful. Don't close it. Ok, on ne perdra pas le livre. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Alright, good luck. Très bien. Apparemment, donc les earthquakes, c'est les tremblements de terre, hein, je crois. Pour le coup, c'est les tremblements de terre et en gros, c'est ça qui a fait, qui a un petit peu affolé tout le village. Il y a eu un tremblement de terre et nous, pendant ce temps, on s'est réveillé dans une grotte, les pieds bloqués, avec ce petit bruit. Alors, le notebook, main quest, meet Sturgeon. Ok, bon, très bien. Voilà, ça, c'est notre truc. Très très bien. Mais vous voyez, non, mais c'est ultra bien fait. Même si vous y connaissez pas trop en anglais, en vrai, on peut un rupee. On peut s'en sortir. On peut clairement s'en sortir. Alors je sais pas du tout, c'est le premier chapitre, hein. Enfin c'est la première, je vous dis, c'est la première map. Je sais pas du tout combien de temps est-ce que ça peut durer. Ok, donc ces coffres là on peut les ouvrir, ces coffres là on ne peut pas, c'est ça que ça veut dire. Donc ouais, je ne sais pas du tout combien de temps est-ce que ça dure. Combien de temps est-ce que cette map dure, j'en ai aucune idée. Et écoutez, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien, on verra bien. Il faut qu'on trouve donc Sturgeon. Sturgeon. Oh, shop owner. Bonjour. Oh, mais c'est incroyable, regarde, tu peux vraiment, tu vas là et tu fais, je veux ça, donc ça c'est item fabric, là c'est une bouteille, 50 rubis et le bouclier 30, mais c'est, enfin, je sais pas, c'est trop bien fait, il t'a vraiment recréé l'univers du jeu, c'est génial, là on récupère un green rubis, est-ce que je peux avoir des rubis dans des herbes, je peux pas, non j'ai pas l'impression que je puisse avoir des rubis dans des herbes comme ça, je crois pas, mais ça aurait été cool. Et ici, nous avons encore un truc, regardez, des rubis. Bon voilà, on récupère les choses. Après, c'est quand même adapté à la sauce Minecraft. C'est beaucoup trop cool. On vient là, on a nos 16 petits rubis. Hop. Voilà. Alors, rentrons dans cette maison-là, Orca. Ouais, mais tu m'as dit de venir plus tard, effectivement. Pour l'instant, il faut que je trouve l'autre. Donc voilà, on arrive tranquillement. Oh, il y a plein de gens là. Fisher. Damn it, my cell broke. Do you know where to go? A new one? Ok. Il va falloir qu'on lui trouve. Un truc. My cell broke. Alors, my cell, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas mes cannes à pêche? Hello, I'm traveler. Currently, I'm on an island because somebody told me there's lots of caves is related. Ok, donc je suis un voyageur. Apparemment, sur votre île, il y a beaucoup de caves. Est-ce que c'est vrai? Bah, écoute, oui, nous on en a vu une déjà de caves. Bon, j'imagine qu'il y a plein de petites missions comme ça qu'on pourra faire. D'abord, attendez. Est-ce que ici on est rentré? Non. Le vieux capitaine. Hello Link, I'm currently preparing dinner. It smells good already. Oui, ça sent bon, tu es en train de préparer le dîner. Il n'y a rien d'autre à dire? Tu n'as rien d'autre à me dire? Non, j'aime bien les petites têtes comme il les bouge. Ça fait vraiment... Hey, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Je peux pas non plus. Alors, Martina. Non, mais regardez tout ce qu'il y a. Oh, trop bien. Link's Awakening. Martina. Back in the day, some people were startled that my husband do. Okay, times did change. Ouais, les... Ok, très bien, les temps ont changé. Parfait, ici nous n'avons rien. On découvre pour l'instant, on découvre. Franchement, ce... Ah, yes. Ce petit village est beaucoup trop bien. Bon, qu'est-ce qu'on s'achète en premier, la bouteille ou le bouclier? Le bouclier peut-être quand même, parce que sinon on risque de prendre assez cher. Alors, on a encore pas mal de choses à voir. On a le phare, est-ce qu'on peut rentrer dans le phare? Eh non, on peut pas rentrer dans le phare, malheureusement. On va rentrer dans cette petite maison. Bonjour.
Il y a quelqu'un ici? Il doit y avoir quelqu'un à l'étage. Non? Il y a personne ici, tu vas me dire? Ah, au moins un petit rupi. Quel plaisir de retrouver cette ambiance Zelda. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai énormément envie de faire du Zelda. je sais pas, je retourne dans une atmosphère Zelda. J'ai vraiment énormément envie de faire du Zelda ces derniers temps. Oh, regarde. Ah, yes! Ah bah oui, là, on s'en est fait plein. Faut bien fouiller. Hein. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? J'ai pas l'impression pour le moment. Attendez, on va voir là. Ah! Overthinking, overanalyze, separate the body from the mind. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y avait autre chose à trouver? Peut-être que je loupe des petits easter eggs quand même, hein, je veux dire, c'est pas impossible, impossible. Bon, en tout cas, on trouve pas la maison du gars, donc ça doit être celle-ci, je pense. Ah, mais il est ici, on n'était pas venu. Si, on était venu, non? On avait pris? Ouais, on avait pris. Ok, mais alors attendez, j'ai toujours pas trouvé la maison de celui que je cherchais. Ok, bah du coup, ça doit être l'espèce de berger qu'on a vu au tout début. Ah! Ah, mais voilà! J'avais pas vu qu'il y avait un étage ici, alors attendez, 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 je regarde quand même ce qu'il y a. Ok, très bien. Il faut qu'on trouve... Oh, l'épée. Tiens. Une mystérieuse pierre avec une inscription. Montre-moi. Tiens. On te montre. Très intéressant. Est-ce que je peux la prendre après et te dire ce que c'est, s'il te plaît? Oui, oui, vas-y, prends-la-moi, prends-la-moi, prends-la-moi. Voilà, je te la donne. Thank you, alright, let's see. Alors, ok. Il regarde, il jette un oeil. Il est de retour, il faut le trouver. Dans les temples et... Oh là là, attention. Bon, très bien. Malheureusement, c'est tout. The bigger part of the text is missing. La grosse partie du texte est manquante, du coup. Ok. On the Forsaken Island, that is the big temple. Nobody has been there for decades. People say it's inhabited by monsters. Ok, donc il y a un temple sur une île à côté. Cette pierre suggère que tu dois... Qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Très bien. Donc les rumeurs, is something to do with her. Donc les rumeurs diraient par rapport au tremblement de terre, etc, etc, etc. Mon frère Orca va te donner une épée aujourd'hui. If you manage to pass the final test. Ouais, donc si tu réussis le test final, Swordman, you could investigate. Voilà, et du coup si on a une épée on pourra aller dans le temple. Tu as probably the only brave enough to do it. Will you go there? Et là il va me dire du coup, meet Orca and finish school sword, go to Forsaken Island. Ok, nice. Donc voilà, il va falloir qu'on aille sur la Forsaken Island où il y a un temple. Donc Orca, on est ready. On est ready pour faire ton test. Vas-y, 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 on est chaud. On est chaud. Let's go to the training area. Yeah, juste derrière. Franchement j'aime trop cette map, elle est incroyable. Alors, avant que j'examine tes skills à l'épée, you have to do... Tu as un entraînement basique à faire. Sneak to pull and look straight down to push. Ok. Sneak to pull and look straight down to push. D'accord. Alors. Ah! Attends. J'ai réussi à pousser ça une fois. Est-ce que c'était fait exprès? Ok! Mais j'allais bien regarder vers le bas en fait. Très bien, très bien. Je vous avoue que je suis allé faire la petite trad, histoire d'être sûr. Très bien. Now, show me the spin attack. Hold the sword and sneak until the energy. Putain, il y a vraiment énormément de temps. Ok, on l'a eu. Very good. The training has paid off. Mais c'est trop bien, t'as vu les attaques qu'on peut faire? C'est incroyable. So now you can call yourself a rare swordman. Ok, il y avait que ça à apprendre. Bon. Eh ben, on est bon. Ton father, the blacksmith, give me this sword. Now it's time for me to hand over to you. Ok, donc ton père m'a donné cette épée, maintenant c'est à toi de l'avoir. Je suis sûr qu'elle te sera utile. We'll be... Non, je suis sûr qu'il sera fier de toi. Je le suis. Parfait. Bon. So, you're ready to go to... Donc tu vas vraiment sur la Forsaken, sur l'île Forsaken. Je te commande d'avoir un bouclier. Bah t'inquiète pas, j'ai 40, donc c'est bon, on va aller se le prendre. Ah, tu peux look around. Voilà, il te dit où le trouver. Bon, très bien. Je vais quand même aller voir la petite trad parce que... Tu sais, des fois, notebook update. Voilà, donc go to the Forsaken Island. Yes, mais avant. Ah, est-ce que je peux le mettre en deuxième épée? Ah, ouais, je peux le mettre en deuxième main. Ah, je peux pas taper avec, donc finalement, un petit peu dommage. C'était ici? Non, c'était pas ici. C'était où? C'était en face, je crois. C'était ici? Yes. Yo! Alors, je vais te prendre le shield. Thank you! Attends, je veux quitter. Et donc ça, voilà. Et là maintenant,
On est bien. J'ai fait bugger le texte, je crois. Ok. Clic R. J'ai fait bugger le texte. Non! Attendez. On va aller voir le... On va aller voir lui, là. Le voyageur, tu m'amènes à Forsaken Island? C'est bon. Non, je ne peux pas aller à Forsaken Island. Frail is less dangerous place. Also, I do not have a boat. I've bought myself. Ok. Donc, il peut pas y aller maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit? Go to Forsaken Island. Bah ouais. Yes, I can bring you to that island. Ok, c'est bon, il peut m'amener. Mais, attends, est-ce qu'on va le faire direct ou pas? Dangereux? Hmm. Ça va le faire, ça va le faire. Il y a un problème. My sail broke. If you bring me a new one, I won't charge any money in return. A strong rope at some fabric is all I need to repair the ship. Ok. Je me demande si c'est pas la voie là. Bring fabric and rope to the fisher. Bring fabric and a rope to the fisher. Ok, alors attendez. Fabric. C'était ici. C'était combien ta fabrique là? En fait, c'est la voile ça. C'est 25. Ok. Alors, je me demande deux choses. Est-ce que maintenant avec ça, je peux pas péter les trucs? On peut faire ça, hein, vous avez vu? Attendez. Regardez. Ok. Je sais pas, peut-être qu'on peut pas. Non, on peut pas récupérer. En revanche, vous doutez de où je vais aller? Je veux aller au niveau de la grotte qu'on avait vue. Alors, je sais, c'est peut-être pas pour maintenant ou quoi, je sais pas, mais. J'ai clairement envie d'aller au niveau de la grotte qu'on avait vue. C'était ici, parce que maintenant on peut la faire. Et peut-être que là-dedans on va avoir ce qu'il faut. Regardez. Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais. Est-ce que je peux spam-click? Je ne sais pas. Ah oui, non, on a vraiment que 5 rubis. Ok, c'est vraiment très très mauvais. Ceci dit, avec 5 rubis, peut-être que s'il y a d'autres trucs comme ça. On va aller voir ce qu'il y a tout en haut de la. De l'île. Parce que avec 5 trucs comme ça, je peux acheter son truc. Hein. Donc alors attendez. Est-ce qu'on peut grimper ou est-ce qu'ils ont prévu le coup? Oh! Ah! Salut, Monk! Sit in quiet place, breath, concentre-toi, nanana. Become aware. Ok, en fait, il est en train de méditer un peu. Ah, mais regarde, il y a plein de trucs là, il y a un camp! Il y a énormément de choses, il y a. Là, c'est où là? C'est là où on était au début là? Je sais plus, attends. Non! Ah, si, on est peut-être sorti par là, nous, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses à voir sur cette île. Regardez, il y a des choses ici. On va se les faire. Je sais pas du tout s'il faut spam click ou pas. Attention à ma vie. Ok, il donne des rubis, c'est parfait. C'est parfait, il m'en faut. Hop, ça dégage, je suis sûr ils vont avoir une récompense. Yes. Yes, on est bien. Regardez, ça fait vraiment très Breath of the Wild avec la vigie et tout. Rubis. Est-ce qu'il reste d'autres mecs? Ouais. Hop, allez, ça dégage. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres trucs par là? Il y avait juste un petit feu de camp. Non, mais il y a énormément de choses. Hein. Attendez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, c'est quoi ça? C'est juste la vigie. Très bien. Et ici, là-bas. Ouais, on explore cette petite île avant de partir, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ça, à mon avis, ça servira plus tard, si vous voulez mon avis. On va vite fait aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On est sorti de là, nous? Je sais plus. Oh bonjour! Ah, ces petites merdes, là! Attendez, on a trouvé un temple, on aurait peut-être pas dû, mais... On y va, on est chaud! Hop. Ok, alors j'ai pris un petit peu de dégâts. Est-ce que je peux ouvrir cette porte d'une manière ou d'une autre? Oh, putain, merde. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour ouvrir cette porte? Putain, ça se trouve, vous voyez un moyen et moi, je le vois pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, je peux juste peut-être pas l'ouvrir. Et c'est frustrant, on a envie de l'ouvrir. Ça se trouve, il y a une mécanique. Regarde ça, là. Ça se trouve, il y a une mécanique que je ne connais pas. Non? Bon, très bien. D'ailleurs, je serais très curieux de voir un truc. Attendez, voyons voir. Ok. Bon, allez, continuons. Dans tous les cas, on a ce qu'il nous faut pour acheter la voile, hein, donc... On est plutôt bien, mais on continue d'explorer un petit peu l'île. Et alors, je veux juste aller voir là-bas. Je suis très intrigué par ce truc. Je sais plus si c'est par là qu'on est sorti, nous. Je sais plus tout. Oh, mais non, il y a un petit lac et tout. Attendez. Est-ce qu'on est vraiment sorti par là? Au tout début, je suis pas certain. Peut-être. Non, il y a quelqu'un. Bonjour, monsieur. Oh! Table de cartographie. Mais c'est chez quelqu'un ici. Bonjour. Comment allez-vous?
Hey, je te pique un rubis. Alors, mon vieil ami, le capitaine. I'm sure he... some ropes. Ok, qu'est-ce que tu fais cuire? Ok, bah, il nous dit rien de particulier. Bon, très bien. On va retourner au village, du coup. Et on va aller acheter cette... on va aller acheter cette voile. Bonjour, madame. Je viens vous acheter, du coup... ça. Ok, on l'a. Parfait. Et je peux même t'acheter ça, non? Combien ça coûte? Ah, c'est 50. Ah, c'est dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, on a ça, en tout cas. Du coup, logiquement, bring fabric and a rope to the fisher. Mais rope... attendez, attendez. Déjà, on lui amène ça. Yo! Tiens. Did you get everything need? Non, il te faut une rope aussi, je crois. Qu'est-ce qu'une rope? Rope, il s'agit d'une corde. Ah, il te faut une corde. Ah ouais, mais une corde, où est-ce que je te trouve ça? Où est-ce que je peux te trouver une corde, mon gars? Toi. A rope? Ah. You have to ask her. She's upstairs. Nickel, voilà, ta femme, elle a ce qu'il nous faut. Bonjour. Donne-moi la rope. Tu as de la chance, je t'en donne une. Parfait, comme ça on va pouvoir aller sur l'île. Ah, elle s'en va, elle va la chercher, tout va bien, ok. Reste ici, s'il te plaît. Très bien. Alors, don't worry, it's a new one. Ok, parfait, c'est une nouvelle. On a ce qu'il nous faut, du coup. Alors, monsieur, voilà. Great, bien, une nouvelle voile, thank you. I will fix it right away. Vas-y, il va nous... il est en train de faire le truc. Ah, parfait. Mais c'est trop bien, je crois, avec les petites cinématiques. C'est bon, on est ready to go. Eh ben, c'est parti, allons à la Forsaken Island. Just talk to me again as soon if you feel ready. En gros, il faut qu'on lui parle quand on est prêt à aller à la Forsaken Island. Ok. Et du coup, ça nous dit go to Forsaken Island. Let's go. C'est parti. On est parti, on y va. Combien de temps ça va durer, vous pensez? Combien de temps est-ce que ça va durer? Notebook update. Oh. Explore l'ancien temple. Ah, oh, cette musique. Tintin. Cette musique. Je dis oui. Alors, ça va être l'ancien temple qui est ici. Attendez, on regarde d'abord un petit peu ce qu'il y a sur l'île. Regardez, ouais, il y a un camp avec des... ok, donc je viens de faire un test. Je voulais faire un test, donc je confirme. Il faut bel et bien... Il faut pas spam click, hein. Je vous confirme. On va les tuer. Il faut leur donner 5 coups à chaque fois. Ah, attendez. Ah, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très 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 bien, j'avoue. Alors, qu'est-ce que vous aviez? Des rubis, tout ça. Je peux pas ouvrir, hein, on est d'accord. Ok. Nickel. Et là... ah, mais il y a 2 entrées pour le temple. Alors, attends. moi, je dirais que celle-là, c'est la vraie. Et que derrière, c'est un petit truc secret. Ouais, ça fait plus petit truc secret, ça, non? Oh. Il faut l'amener où? Oh. La musique. Je dis oui à cette musique. J'ai actionné un interrupteur. Mais c'est incroyable, ce truc. Ah, et c'était une petite zone ici, avec une petite clé. Oh la vache. Mais les musiques et tout. Mais c'est tellement bien. C'est vraiment ça, c'est une nouvelle histoire dans l'univers Zelda, en fait. C'est beaucoup trop bien. Donc, avec la petite clé, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vrai temple, je pense. Ah, ils ont respawn? Ou il restait toi? Ah, ils respawn. Ils respawn en boucle. On va les laisser. Et on va aller ici. Et ici. Voilà, je sais pas si on l'a utilisé totalement. On est parti. Mais cette musique est incroyable. J'aime tellement cette musique. Hop, ça dégage. Est-ce qu'avec la clé, faut que j'ouvre à chaque fois? Ah! Ok, le premier et le deuxième. J'avais pas vu. Ok. Vraiment la porte, s'il vous plaît. Suivant. On continue. Donc faut bien penser à regarder tout ce genre de choses. Il y a des petites énigmes, mais il y a tout ce qu'il faut regarder. Il y a les pics là.
C'est génial. Ça c'est fait. Donc là il y a des pics et là il y a la clé à mettre. Ok, donc là c'est un interrupteur qui va enlever les pics. Et là du coup la petite clé, c'est sûr que si t'avais pas vu avant, tu te fais avoir. Oh. Ah ouais mais c'est fat hein. Oh la vache. Bah écoutez, bienvenue dans le temple. Hop. Ça dégage. Ça donne des rubis. Est-ce que je peux aller dans cette porte là par exemple? Je peux y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Là c'est chaud, je meurs, on est d'accord? Non là non. Ok. Un rubis. Oh là 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 là. Alors est-ce que vous pensez qu'on va avoir une espèce d'objet du donjon? Je pense, parce que là je peux pas passer ensuite. On va se les refaire eux. On va se les faire comme ça. Voilà, ça marche bien. Suivant. On peut... Mais il y a des trucs partout, c'est fou. Il y a des trucs absolument partout. Mais c'est un vrai temple qu'ils nous font. C'est un vrai gros temple. Hop. Attends. Ok, là on peut ouvrir ici. Oh. Donc c'est clairement pas ici qu'on a ouvert, mais on a ouvert à un autre endroit. Ah oui, on a ouvert en bas là, très bien. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va les amis, on va essayer de trouver. Attends, attention à ma... Ah et j'ai que deux vies, ah j'ai des vies. Oh la vache, oui je viens de comprendre à quoi servait le truc. Comment est-ce qu'on regagne une vie, je ne sais pas, mais en tout cas ils font très très mal. Je pense que si on meurt totalement, l'aventure n'est évidemment pas finie, hein. Mais on reprend au début du temps pour un délire du genre. Peut-être. En tout cas ils font très mal, hein. Faut faire gaffe à eux. On va aller là-dedans. Pour l'instant. Ouais. Beaucoup d'ennemis. Attention au gros. Après les psys peuvent plus me faire de dégâts il me semble. Je crois pas. Non ils peuvent plus me faire de dégâts donc au pire. Ah par contre eux avec les... Avec les plantes. Dégage. Dégage. Dégage voilà. Alors là il va me falloir une clé encore donc malheureusement je ne pourrai pas venir. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? J'ai... Psy il y a quelque chose là-haut hein. Il y a quelque chose là-haut mais je ne peux pas l'atteindre à cause du feu. Il y a clairement un truc là-haut les gars. Ah merde. Ok bon dans tous les cas ici il me faudra une clé donc c'est pas... S'il y avait un truc. Laisse-moi y aller, laisse-moi y aller. C'est bon. On a bien vu. Et ici... Barre-toi toi. C'est quoi ça? Oust. Ah et je vais ressortir par, par l'autre côté je pense. Putain les serpents. Il a carrément mis des serpents. Ah nice. Putain c'est bien foutu hein. Ok on vient là et on a la clé pour aller dans la prochaine zone. Barrez-vous. Barrez-vous. Oust. Ça va pas dégager. Ok c'est bon. Eh. On progresse dans ce temple. On n'a pas de carte pour l'instant. Mais on progresse. Explore the ancient temple. Ok, très bien. Là, je ne peux pas... Mais je vais avoir un arc, je pense. Je pense que je vais avoir un arc. Je vois que ça, hein, parce que... Parce que sinon... Il faut qu'on ramène un truc ici, je pense. Ok, attendez, il y a des choses, là. Ok, ça dégage. Ici, nous avons... Oh, un quart de cœur! Trop bien! Trop, 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 trop bien. Alors lui, il est un peu buggy, par contre. C'est pas très grave. Là, je pense qu'il faut qu'on ramène un bloc, mais... À mon avis, pour le moment, tu vois... Pour le moment, je peux pas faire plus dans cette salle. J'ai l'impression, en tout cas, parce que ça... Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc on va revenir dans, dans l'entrée principale, parce qu'il y avait encore d'autres choses à voir. Notamment l'endroit qu'on avait débloqué au tout début. Donc ici, on a plusieurs choses. On a... Hop, on passe direct, on y va. Ok, on a un coffre pour commencer. Le coffre qui donne une vie en plus. Ah bah voilà, on sait comment au moins on remonte en vie. Là, ça va par là, mais c'est incroyablement grand. Ici, nous avons le compas. Using the compas, you can see a remaining chest inside these dungeons. Ouais, alors en gros, on n'est pas obligé de les tuer à chaque fois. C'est-à-dire que lui, il me dit... Attends, quoi? Oh, la vache! C'est génial, regardez, ça me montre où ils sont. C'est beaucoup trop génial. Et ici, du coup,
Ici, a priori, y a pas de chest. Mais il y a une énigme. Ouais. Viens. Voilà, comme ça on peut grimper. Ensuite, ouais, tu vois, ça va, c'est. C'est si bien fait. C'est fou ce qu'on peut faire avec Minecraft aujourd'hui. Franchement. C'est beaucoup trop bien. Je peux aller là. Ok, et alors là, nous avons une petite énigme. Ouh là là. Bah non, en fait. Mais le problème, c'est... Ah. Oh. Ok. Pourquoi c'était ça? J'étais vraiment en train de tester tous les trucs, là, au bout d'un moment. What the fuck? Pourquoi? Les gars, je comprends absolument pas. Non, j'ai rien eu de... Bah non, bah écoutez, bon, très bien. Très bien. Alors, avançons. On a réussi. Hop, et du coup, on peut aller ici maintenant. Qu'est-ce qui se cache ici? Attention, je rappelle que le compas nous dit il y a un coffre ici. Ah oui, d'accord, très bien. Et on arrive encore plus haut, et ici, on va pouvoir ouvrir cette fameuse... Ah, en gros, une des trois. Ah ouais, d'accord, on ouvre que une des trois, là. Donc ça va être bien long. En sachant que j'ai oublié un coffre au tout début du donjon. J'aurais oublié un coffre au tout début du donjon, ça paraît quand même étonnant. Mais c'est possible. Hop, attention. Attendez, on va vite fait aller voir si j'ai pas oublié un truc au début du donjon. Ok, bon. J'ai oublié un coffre là-bas, mais je peux pas passer, en fait. Regardez, c'est vraiment, genre, ça fait un quart d'heure, j'essaie de passer... Non, ça veut pas, il y a une espèce de bloc invisible. Donc ce sera pour après. Donc maintenant, notre seule destination qu'on n'a pas encore faite, c'est ici. Alors ici... Ouais. Ça marche, ok, et un chest. Oh, le boomerang, the boomerang. It's below to stun enemies and activate special switch. Special switch. Ah, ça les stun, effectivement. Nice. Et donc attendez, parce que du coup grâce à ça, oh, putain, mais c'est vraiment un vrai donjon. Je crois que c'est le mais de toutes les maps Zelda que j'ai faites. Est-ce qu'on a déjà eu un donjon Zelda aussi stylé? Je pense pas. Oui, c'est ça, regarde. C'est beaucoup trop bien. Alors attends. Oh. Alors, j'explique ce qui s'est passé. Je vais vous montrer. Quand tu envoies un truc, tu es ralenti, vous le voyez? Vous avez vu comme ça m'a fait réaccélérer? Du coup, en fait, j'ai sauté, mais je l'avais pas. Putain. Je suis une merde. Je suis une merde en jump. Ok, on est passé. On est passé. On se fait eux, très rapidement. Vas-y. Hop, ça dégage. Et lui, là-bas. C'est terrible. Mais c'est beaucoup trop bien, les amis. J'aime tellement cette map. Sneak. Oui, bah, ah, attends. On va plutôt se mettre ça comme ça. Déjà, on active le deuxième. Et ce n'est pas terminé, car je suppose que... Ouais, alors non, par contre. Plutôt pas, en fait. Enfin, pas tout de suite. Attendez. On va attendre que ce soit terminé. Ah, peut-être que... Ah ouais, d'accord, ok. Il faut le... D'accord, faut le réactiver. Et maintenant on active. Et là on peut venir là. Et de là je pense qu'on va pouvoir même aller choper le fameux coffre dont je vous parle. On va repasser par au-dessus. Je le sens venir, vous allez voir. Là pour moi on est dans la salle dont je vous parlais avant. Yes, on est au-dessus, vous voyez, on était en bas tout à l'heure. Et du coup on va pouvoir aller chercher ce coffre là, qui est un quart de cœur encore une fois. Alors, il nous manque des coffres là-bas. Dans tous les cas, le dernier truc à activer, on sait comment l'activer. Est-ce que je peux pas repartir par là? Attendez. Ce serait bien de pouvoir repartir par là, mais... Ah, vous voyez, il y a des blocs invisibles, malheureusement. Oh, quelle tristesse. Ok, il faut que je repasse tout le tour. Mais en tout cas, on sait où c'est dans la salle où j'avais mis la clé. Donc, les amis, logiquement, maintenant que j'ai ça, on va pouvoir activer le dernier endroit. Hop, attention à pas crever. Attention, oula, attention, c'est vrai qu'il y a eux. Alors, attention. On va faire gaffe. J'ai l'impression qu'il y a derrière moi un truc. Non, c'est bon. En tout cas, ici, ça, c'est update. Voilà, on a des cœurs, c'est parfait. On va se faire eux. Voilà, et donc grâce à ça, yes, on peut grimper et on va pouvoir activer le dernier endroit et donc la dernière porte, j'imagine en tout cas,
pour la porte du boss. Je suppose en tout cas. On doit être bon. Alors attention. Qu'est-ce qui va se cacher ici, les amis? Let's go. C'est pas terminé. La map est giga grande. C'est trop bien. Attendez, je me débarrasse d'eux. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs s'il me restait des coffres ou pas à récupérer. Hop, ça dégage. Et ici, nous récupérons un rupie. Alors, on est d'accord, on n'a pas laissé de coffre derrière nous. J'ai pas l'impression. Quand on regarde bien, ensuite la suite, c'est là-bas. Donc, on est plutôt bien. On se débarrasse d'eux, tranquillou. Hop, dégagez. Ils s'accrochent à moi en fait, ces trucs. C'est vraiment comme dans Wind Waker. Dégage. Au secours! Attendez, je sais. C'est bon. Ok. Alors. Attention. Oh, la clé du boss. La clé du boss est là. Donc, il nous reste juste le truc à aller chercher. Ici. Et ensuite, on a la clé du boss. Vas-y, open. Alors. Attention, les serpents. Avec les herbes, c'est dur à toucher. Je vais crever, je vais perdre une vie. Putain. Non! Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais... Ils font des dégâts. Bon, ça va, on a toujours 4 vies. C'est pas dégueu. Genre, je me suis fait toucher. Dégagez. Oust. Alors, les derniers serpents, ils sont là. Pire, je vais faire ça comme ça. Voilà. Ah, il en reste un. Attends. Merde. C'est bon, on l'a eu. Alors, attention. Ok, je pense que c'était un truc de rapidité. Et on a la clé du boss. Alors, on est bon. On n'a plus qu'à la mettre. Je fais juste gaffe qu'il n'y ait pas un ennemi ou quoi qui nous saute dessus. Mais j'ai pas l'impression. Et on va pouvoir arriver au boss. Oh, putain, franchement, quand je vois la map comme elle est stylée, je suis très curieux de voir le boss. Je suis extrêmement curieux de voir à quoi va ressembler le boss. Sans ressources pack ni rien, je tiens à le rappeler. Attendez, parce que je suis un peu bloqué là. Je suis un petit peu bloqué. Ok. On se débarrasse de ça. Et. Attendez. De l'argent. Et des cœurs. Et on y va, les amis. Le boss. C'est parti. Avec la musique, je suis sûr. Attention. C'est Goma le truc? Oh! Camucus. Oh la musique. Ok, on peut le toucher comme ça. Je peux pas le... On peut le toucher un petit peu. En fait, il a une protection quand même. Je le touche. C'est vrai que je pense jamais me protéger, mais... Il est en train de perdre ses potes. Oh! Ça fait quoi ça? Yes, ça me donne des cœurs. Parfait. Et ensuite, on peut se débarrasser d'eux, très certainement. Et comme ça, il n'aura plus de protection. Et petit à petit, on va pouvoir lui enlever sa protection. Ça dégage. Ça dégage. C'est chaud. La musique est trop bien. Ma vie. Mon cœur. Ok. Dégage-eux. Attention. Est-ce que je peux réactiver ça à l'infini? Non. Donc là, je suis au max. Donc là, je n'aurai plus de vie. Putain, il me reste un demi-cœur. Ah, l'idiot. Il me reste plus beaucoup de vie. Il s'énerve, j'ai peur. Je me fais attaquer par plein de trucs, je vais mourir. Non. Attention, ma vie. Go. Ok, allez, go. Il est mort là, il est mort, on le tient. Les gars, plus qu'un coup et c'est bon. Oh putain. Vite. Une vie. Ok. C'est bon. On est bon. Yes. Alors attention quand même, attention. Oh là, le truc de fourbe. Ah non, c'est bon, ça dégage. Et on récupère un quatrième cœur. Plus 3 de vie, ok. Ouh. Bah dites donc, c'était trop cool.
Trop trop cool. Et du coup, on arrive ici. Et qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? Oh, les hiéroglyphes. Alors, attention. Link. Écoute-moi. J'ai besoin de toi. De ton aide. You might have heard of that legend of the whole kingdom being saved by the... Tu as déjà entendu de cette légende qui dit que le royaume a été sauvé par le héros du temps. Laisse-moi te raconter ce que les hiéroglyphes disent. Tu comprendras mieux. Ok, bon. Le peuple believes that the whole time would again come to save them, but the hero did not appear. Donc voilà, le peuple avait besoin, mais il est jamais revenu. Faced by the nostalgia, the people could do nothing but appeal to the gods. Donc ils ont rien pu faire contre le monstre, de ce que je comprends. Dans sa dernière heure, in the left future, in the hands of fate. Ok. Eventually, rain start to fall here than anybody has ever seen before. Donc il s'est passé quelque chose que personne n'avait jamais vu avant. Les dieux parlèrent au peuple, leur demandèrent. Come to reach for the highest mountains. Ok. In the kingdom was gone. But ça va tout seul, donc j'essaie de vite traduire dans ma tête. But was evil, gosh, wash, well. Peace has returned. Ok, donc ils ont réussi à se débarrasser du monstre et la paix est revenue. You grew up in this world only consisting of small island, but I was there. I saw that great kingdom. You cannot change... On peut pas changer le passé, le vieux royaume est perdu, mais on doit protéger le monde d'aujourd'hui. Donc c'était pas des îles avant, si je comprends bien. Je t'envoie un message. Since you are, I assume. Ok, très bien, m'envoie un message. You prayed across the island on the ocean. There are several ancient temples like this one. Ok. They had a secret. Ok, donc il y a des temples à travers l'océan. The spirit of the past protecting must become of the world. It's my duty to track them. Oh. No, I seem to have found something. This shard. C'est quand même très inspiration Wind Waker. Hein. C'est pas la même chose, mais c'est inspiration Wind Waker, hein, surtout. Le héros du temps et d'autres braves guerriers. Use the holy sword to fight evil. I fear this sword got destroyed. Ok, détruire l'épée. Les tremblements de terre récents, the monsters, hein. Ganon is back, ça y est, c'est lâché, c'est Ganon. He's up to do something, but I don't know, la Master Sword, it remains, bon, voilà quoi. Please search for all shards. Donc il faut qu'on trouve toutes les petites shards comme ça. Et comme ça, on pourra crafter une nouvelle épée, parce que l'épée avait été détruite. I don't know where Ganon, elle sait pas où est Ganon actuellement. Mais bientôt tu le croiseras et tu auras bientôt de l'épée. Welcome to your way. Ok. End of episode 1. Ah! Donc c'est la fin de la map. Please check for update of this map. C'est effectivement la fin de la map, les amis. Je vous avais dit. Oh là 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 là. Bon! Ah, mais elle était incroyable. Franchement, les amis, elle était incroyable. Et je vous ferai la suite lorsque ça arrivera, c'est sûr. Elle était beaucoup trop cool. Vraiment, je l'ai trouvé assez incroyable. Bon, désolé pour mes traductions approximatives, mais globalement, je pense qu'on s'en est sorti. Donc là, le but, ça va être de trouver toutes les shards pour reconstruire la Master Sword pour pouvoir vaincre Ganon, puisque apparemment, la Master Sword a été détruite. C'est assez intéressant comme scénar, j'aime bien. Il y a vraiment de l'inspiration très Wind Waker, mais en même temps, des anciens Zelda aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses extrêmement cool dans cette map, je trouve. Elle était vraiment stylée. Franchement... Elle était ultra stylée. Bon bah les amis, j'espère que cette map vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément. C'est la récompense, vous le savez. Donc merci à celles et ceux qui le feront. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et franchement, je suis très content d'avoir pu vous présenter cette map aujourd'hui. Il y aura bien sûr un lien en description si vous souhaitez aussi la tester et la faire de votre côté. Sur ce, à très vite. C'était Sif. Ciao.